Circuit de Barcelone. Ça fait très longtemps que j'avais pas tourné sur Dirt, donc du coup. Les circuits, il faut. Mais c'est pas bien grave. On y va, les gars. Utilise le tour Joker à ton avantage. Let's go. Test radio. Okay. Donc du coup, j'ai le frein à main sur le volant. Parce que j'ai pas de frein à main. Eric, là, le frein à main, il me semble. Putain, je me souviens plus du circuit, les gars. Allez, c'est parti. Ah oui, je m'en souviens du circuit, ça y est. Oh putain, j'ai trop élargi. C'est chaud là. Là, c'est chaud. Ah, il m'a poussé. Oh, il y allait aussi. Il y allait aussi. Alors faut que je prenne le tour Joker parce que là. On aura l'e-cross. Ah là là, j'ai trop donné là. Ça va être dur, hein, ça va être dur là. On a plus de vitesse ici, donc on en profite. C'est bien là, j'ai bien pris le virage. Allez, c'est bon, ça accroche. Conneries. Le terrain est super gras, vraiment. Ok, continue comme ça. Je te détache de la venir devant. Commentaires, essayer de mettre la pression sur ceux-là qui sont devant, c'est un peu limite quand même. Vu que je suis derrière. J'ai quelques points grâce à ça. Au travail, tu restes en course. Ok, on reste en course. Bon, si le but c'est d'aller jusqu'en finale, du coup. Allez, on est en Q2, qualif, Q2. On est parti. Voir si je dois réparer, je crois qu'un petit peu quand même. Allez, merci pour la belle course, mon gars. Merci, mon gars. Normalement, il doit avoir que de la carrosserie, je pense. Ouais, carrosserie. On va faire une réparation normale. Il n'y a pas autre chose, donc c'est bon. Je confirme.
Allez, deuxième course. Ça va jusqu'à 5 courses. Hein. La dernière course sera sur 6 tours. Donc ça va, le circuit là, il est re-rentré à nouveau. Et on va essayer de soigner tout de suite le départ. Je suis à la même ligne qu'avant, il me semble. Ah non, j'étais plus à gauche tout à l'heure. Je démarre en deuxième pour le grip. Très bien, là j'ai pris le bon départ. Faut être trop gourmand ici, sinon on prend trop large. Là qu'on sort mal ici. Pas facile cette section à garder, maximum de grip pour la relance. Mieux là ce que je propose. Alors, on a de l'avance, on va prendre le tour joker directement. Ok, reste calme. Voilà, je mets des bons coups de frein et on repart en tête directement là. Ça c'est bon ça. Attention là, erreur. Ok, continue comme ça. Tu te détaches de la voiture de devant. Mais voilà le sim racing. Hein. Parce que c'est. On se met. Pendant un instant dans la peau d'un vrai pilote. C'était chaud là. Là c'était chaud. Il reste un tour. Ça sert à rien de tirer le frein à main ici. Ici je le tire. Là aussi, je tire le frein à main ici. Voilà, j'ai pris une belle avance. Là, ça ressort fort. Hein. Là, je ressors très, très, très fort. Là, je la place juste au frein, la voiture. Et voilà, on passe la ligne. Easy. Easy, là, j'ai amélioré les chronos. Bien, ça t'a rapporté des points. Ok, super. On échappe à l'élimination. Là, je leur ai mis, à l'amende. Hein. Je les ai mis grave à l'amende. Ça revient hein, petit à petit, là, du coup, Dirt. Ça faisait au moins 5 mois. Les trucs. Ouais, la Polo, vraiment, j'adore. Moi, dans la vraie vie, j'ai une Up GTI. Avec une belle ligne inox. Avec des sens suspension compète dessus. Du coup, je m'y retrouve bien moi, dans la Polo. Là. Bon format de voiture en plus. Toutes les voitures là de Dirt, quand on prend les formats RX, ça marche fort. Mais je me sens bien dans la Polo. Donc, j'ai rien à réparer. C'est cool. C'est cool. Toujours le même circuit. Et du coup, ils vont me faire partir. C'est de voir. Ah, je dois être au milieu. Ah non, non, non. Je suis complètement à gauche. J'ai une Up GTI Volkswagen. Alors là, je démarre volontairement en deuxième pour avoir le grip. Ça démarrait fort là.
plus, hein, ça pousse les concurrents hein, en... dans cette catégorie, hein, ça pousse fort. Oui, normal. Parce que j'avais le bras tendu. Ouh là, je vais me faire bouffer là. Normal. J'avais le bras tendu pour accéder à mon clavier, c'est pour ça que tu m'entendais pas. Pff, il freine là. Ça joue des portières. Allez, je prends bien la corde. J'ai fait un bon bloc passe ici. Faut que je prenne le tour joker là. Oui, c'est l'IA en moyen. Là, je pourrais maintenant, avec le niveau que j'ai repris, je pense que je peux la mettre en dur, là, du coup. J'ai réussi à passer la 5 ici. Je pense pas qu'il ait pris son tour joker, du coup je pense qu'on va être avantagé. Mais ils sont pas loin hein. En moyen là, ils taquinent aussi. Hein. Ok, continue comme ça. Je me détache de la voiture devant. Oh, merde. Il y a moyen qu'il me bouffe de coup là. Il me pousse encore derrière là. Ouais, il prend le tour joker maintenant. Et normalement il sort plus fort hein, quand il prend le tour joker. C'est bon, on est devant, ça le fait. Au niveau de la taille, je sais pas. Oh là là, c'est dangereux ce que je fais là. C'est bon. Non, pas du tout pété. Non, c'est que voilà, moi je m'adapte à elle. Non, elle est pas du tout pété. Alors après, je pourrais essayer la Mégane. La Mégane est vraiment chouette en à l'intérieur, je la trouve vraiment chouette. Là, je pense que la Polo. Je pense que la Polo, elle est quand même vieillissante comme bagnole. Donc du coup, au niveau de l'intérieur, la Mégane est plus jolie. L'Audi, pareil, elle est vachement sobre de l'intérieur. Mais elles se valent toutes, hein, les bagnoles. Elles se valent toutes. Il y en a qui préfèrent l'une ou l'autre. Mais elle est beaucoup jouée. C'est la... Bah tiens, il y a Christophe, un vrai joueur là, qui est dans le game. merci à Victorus, merci mon papa, merci, c'est très sympa. Moi aussi, hein, je fais du Flight Simulator. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Ouais, comme je disais en live avec Eric, j'ai fait... on va faire réparation normale large. Et du Eurotruck Simulator. Et Flight Simulator, je vais le proposer en live aussi, maintenant que j'ai deux PC, vu que je stream à deux PC. J'ai plus de soucis maintenant au niveau des streams, c'est toujours fluide. Donc il y avait un vrai joueur hein, avec nous. Dans la game là. Ah
Allez, alors là par contre, je crois que je suis à l'extérieur. Putain, complètement. Ah non, presque tout à l'extérieur. Ça va être chaud là, ça va être plus chaud hein, d'arriver à caler le départ. J'ai encore pris un départ. Filet de gaz là, hein, je suis pas à fond, c'est maintenant que je mets à fond. Pas facile de lire le. Oula. Ah, ça va être la merde. Flat Simulator, c'est vraiment le Graal, hein. Franchement. En VR, c'est le Graal, hein. Quand on a une machine qui peut le faire tourner, vraiment classe. Maintenant, ils ont mis le DLSS, donc c'est vraiment... C'est vraiment génial. On va le proposer, je vais le proposer en stream. Et je regarde encore le chat, mais regarde. Pas grave. Le Flight Simulator, je vais le proposer en live, mais on va voler en duo avec deux avions, du coup, et ça va être cool. Ça se fait pas souvent un duo en live, donc du coup là ça va être sympa. Je vais proposer ça avec Alex V Racing. Faut que je prenne le tour jockey, là j'ai pas le choix. Je reste en troisième, ça je garde le grip. Par contre, lui, il va falloir le rattraper. Qu'est-ce qu'il a pris large là? Je me suis appuyé sur lui du coup. Par contre, c'est maintenant si je veux le doubler. À l'extérieur, non, ça va être chaud à l'extérieur. Il prend le tour joker maintenant, c'est bon ça. Ça, c'est bon. La voiture de derrière a du mal. Ouais, c'est clair. Ça craint. Je lis le chat, mais c'est là qu'on voit hein, que dès que tu fais inattention, c'est dangereux là. Il y en a en sim racing, ils arrivent même pas à parler hein, quand ils font. Après, quand il y a un enjeu, c'est dur des fois de parler en même temps quand on compte. Tu gagnes les demi, bravo. Putain, faut que je répare la bagnole. Ça doit être que la carrosserie, je pense. Ouais, easy. Après, je vous ferai voir peut-être une spéciale Monte Carlo, par exemple. Ça peut être sympa. On prendra l'Audi Quattro de l'époque. Vous allez voir le machin, c'était des malades mentaux. Et du coup, ils me font... Ah, là, on part en décalé. Ah ouais, ok. Au départ, ouais, depuis que j'ai à 4090, j'ai des perfs de malade. Mais on peut passer aussi par l'OpenXR. OpenVR plutôt, pour chanter Steam. Putain, ils sont là! Je vais prendre le tour jockey direct. Mmh.
chaud là. Ok. Ah oui, tu peux manipuler tout, tout avec tes joysticks, du coup, avec tes contrôleurs de ton casque, du coup. Aïe, 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 aïe. Et dans le casque, là, franchement, avec 130% ce car sampling, c'est magnifique. Magnifique le retour que j'ai. C'est bon, j'ai repris du grip avant lui. Allez, faut que je revienne. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué, comme j'ai plongé à l'intérieur là. Il reste 3 tours là, ça va être chaud de revenir. Oh là, j'ai bien pris là. Allez, je peux revenir là. Allez, allez. Faut y aller, faut y croire. Ah, je l'ai pas fait tourner comme je voulais. Là, on se rapproche quand même. Là. C'est moi qui l'ai bloqué là. Qui commence à fatiguer du coup. Voilà, je les ai largués. Alors, il y a 2 caméras pour la rediff montage. Gagné. Bah du coup, nickel. Je suis premier. En galère. Il était en galère. Je sais pas combien il a fini. On va réparer là du coup. Réparation normale, ok. Et puis on fait commencer. Alors, où c'est qu'ils me mettent? Ah, je crois que je suis soit à gauche, soit à droite, mais devant. On va voir. Je
crois que je suis au milieu. Ouais, je suis au milieu. Allez, on y va. Aïe aïe aïe, je roule sur la jante, la voiture est pétée, et c'est 6 tours, je suis obligé d'abandonner. Ah putain, la haine. Tiens ta trajectoire à la jonction, ne laisse pas trop d'espace à l'autre voiture. Là je roule sur la jante. On est obligé d'abandonner, bah c'est pas très grave. Merde alors. Je me suis fait pulvériser.